Oh mon très cher Octavius, ça va mon petit? Ça va. Un très cher automne. Que me vaut l'honneur de cette visite, les enfants? Sombre affaire, une sale affaire que celle-ci. Un homme retrouvé mort à son domicile, la cinquantaine. Il s'appelait Lucien Rupus, si je me souviens bien. On a retrouvé cet objet moldu auprès de son cadavre. On pense que vous pourrez nous éclairer dessus. Fais voir ça. Non, mais par la barbe de Merlin. Alors ça... Regarde, une gueule, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'une authentique caméra obscura. Vient du latin et veut dire chambre noire. C'est un engin tout à fait moldu qui permet d'enregistrer les moments de la vie, les expressions et les sourires. Vous êtes en train de dire qu'à l'instar de nous, photographie sorcière, les moldus ont été capables de créer quelque chose qui puisse faire des images animées et sans magie. Tout à fait. Ah mais comment ça marche alors? Il suffit tout simplement de l'allumer. Ah, c'est ça. Une scène. Mais pas comme ça, jeune padawan, pas comme ça. Oh là là. Tiens, hop, décale-toi. Autumn, prends l'engin. Merci. Et appuie, enfin je dirais tourne sur le petit bouton vert on, ce qui veut dire en anglais allumer. Vas-y, fais-le. Mm-hmm. Et ouvre le petit clapet sur le côté. Voilà. Je vois rien. Mm-hmm. Il est cassé. Affaire classée. Il doit manquer quelque chose, attends voir. Dans le manuel d'utilisation, dans mon grimoire. Ah, voilà. Voilà, je sais. Il doit manquer quelque chose. Où est-ce que je l'ai rangé? Ah, ah, la coquine est là. Oh là là, elle s'était cachée, hein, elle avait peur. Hein. Ah, alors ça, c'est ce qu'on appelle une batterie. Il y a là-dedans l'énergie que les moldus ont créée. Si, mon petit, tu le glisses à l'arrière de la caméra, dans la petite fente, ça devrait fonctionner. Voilà. Ah, c'est magique. C'est moldu. Non, au lieu de faire ton move, tu vois, mets-toi devant, on va faire quelques images, quelques plans. Allez. Ma petite automne, en dessous du bouton rotatif pour allumer, il y a un autre bouton rouge, appuie dessus. Pas de pellicule. Pellicule? Ouais. Ouais, ça marche pas. Kodak 3X, il manque. La pellicule, c'est ce qui sert à enregistrer l'image. Je dois avoir ça. Alors, c'est encore une coquine. Je ne sais pas où je l'ai rangée, où elle s'est cachée. Ah, voilà. Elle est là. Ma deuxième coquine. Et j'en ai plusieurs des coquines. Hein. Tiens. Autumn, appuie juste sur le bouton en dessous de la caméra. Open. Et comme tu sais bien faire, glisse-la dans la fente. Allez, vas-y, mets-toi devant de nouveau. Oh là 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 là. Donc, appuie sur le bouton rouge. Et voilà. Donc maintenant, tous les moments de la vie qui seront filmés seront à tout jamais enregistrés. C'est ça que ça veut dire, le rec? Voilà, rec. Donc, si tu manipules le petit bouton vers la droite, là, celui-là, en tout ton index, voilà, on va réaliser ce qu'on appelle un zoom. Donc un zoom, on va agrandir les petites imperfections de la peau d'Octavius, tu vois. On va réaliser un gros plan. D'accord. Agrandir? Non, ça je sais ce que ça va, je sais comment ça va finir. Ça m'est déjà arrivé, je vais finir avec les jambes et les bras surdimensionnés. C'était vraiment pas drôle d'ailleurs. Octavius, les moldus ne sont pas aussi facétieux que les sorciers. Ils font pas ça. Ils ont moins de complexe que toi, mon grand. Donc tu vois, avec le fort zoom que tu as, l'image est vachement stable. Il y a sur l'appareil un stabilisateur d'image. C'est quelque chose de super perfectionné, super électronique. Regarde, tu vois, et maintenant, on va dézoomer. Je suis sûr que le stabilisateur, c'est encore un bouton.
Non, il n'y avait pas de bouton. C'est comme la clim dans les voitures. C'est d'origine, mon grand. C'est bien, Octavius, tu fais vraiment l'idiot. Maintenant, je vais te prendre la caméra et te montrer comment réaliser des scènes. Voilà, donc Octavius, déplace-toi de gauche vers la droite. Et je te suis avec la caméra. Je vais réaliser un plan panoramique. Voilà, c'est tout à fait naturel ta marche. Donc de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, et même de haut en bas. Voilà, très bien. Et imaginons, on peut suivre un plan rectiligne et réaliser un travelling avec la caméra. Tu vois, et on va te suivre comme ça. En fait, c'est pas très compliqué, il y a juste quelques règles essentielles à respecter. Comme les sortilèges impardonnables. Non, c'est rien d'autant dramatique, hein. Tu seras juste critiqué sur Ciné+, hein, et puis c'est tout, hein. Tu prendras une gifle, de ma part. Avancez avec les piles, on a retrouvé la cassette de la pièce à conviction. Vous êtes attendu en bas. Non mais partez pas, on n'a pas fini, non. Je voulais encore vous expliquer plein de choses. Le nu artistique et tout, oh. Maintenant je me retrouve tout seul. Avec ma petite coquine, oh. Oh. Ça c'est sûr, ce soir c'est toi qui fais la fille, hein. Oh oui. Ah, maintenant qu'on sait se servir de cette caméra obscura, on va enfin pouvoir élucider ce meurtre. Effectivement. Mais dis-moi, c'est bien toi qui as la caméra obscura? Bah non, c'est toi, tu l'avais pendant un quart d'heure. Non, je l'ai posée et tu l'as prise. Mais c'est pas vrai, on l'a oublié? Pas moi, toi. Je vais pas y retourner, moi. Mais si, mais c'est de ta faute. C'est toujours de ma faute, oh, voilà. Espèce d'abruti. Molle du fil.